Kelil khairil baraya ikramuhu kadanane. Shukere khairil baraya ikramuhu kadanane. Anka alatanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye. Kasali chaya alakiraka yasa anahera sorokiyama. Shukere khairil baraya ikramuhu. A'ouzou billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs du monde francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes sur la MTA Africa et vous suivez à présent vos programmes de ciel nouveau. Nous parlerons à l'instant même de la politique. Est-ce que la politique rime avec la religion? Nous allons le savoir tout à l'heure avec nos invités. Missionnaire Abdourahmane Ouattara et M. Chérif Mamadou, Kaye du district d'Abidjan. Assalamu alaikum, cher à vous. Alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus. Merci. Aujourd'hui, on va essayer de savoir si, entre la politique et la religion, il y a une compatibilité. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut rester religieux et vivre sa vie politique? Mais bien avant, on va essayer de savoir ce qu'est une appartenance politique avec M. Chérif Mamadou. Merci M. Yabé pour cette question parce que quand nous voyons aujourd'hui l'actualité dans tous les pays de l'Afrique, on parle d'appartenance politique et religion. On voit il y a des religions aujourd'hui qui font la politique et c'est pas mauvais. Pas mauvais parce que d'abord il faut définir l'appartenance politique. L'appartenance politique, c'est le fait de partager les mêmes opinions, doctrines, les mêmes convictions sociales avec certaines personnes, voilà, formées en association pour mener une lutte, pour atteindre un objectif. Est-ce que le religieux peut participer à ce genre de lutte ou à ce genre de mouvement? Donc, je pense qu'avec le développement, on aura le temps d'en dire plus. D'accord, merci à toi. Missionnaire, est-ce qu'il y a une compatibilité entre appartenance religieuse et puis appartenance politique et la religion? Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, bien sûr, par rapport à la question, je répondrai oui. Parce que l'objectif de la politique et de la religion, qu'est-ce que c'est? C'est pour bien-être de la population. Les politiciens disent, ah, quant à moi, je vais bien faire pour la population. Dieu aussi, il a envoyé la religion pour sauver l'humanité. De l'autre côté, la politique dit, ah, je vais venir sauver ma population. Dieu aussi, il a créé des lois aussi pour sauver la population. Donc, ils ont tous en commun un caractère social. Bien sûr. D'accord. Voilà. On peut dire que c'est un seul corps dans lequel la religion s'occupe de l'aspect spirituel, tout ce qui est orienté vers la spiritualité, et le politique est chargé de diriger, d'orienter tout ce qui concerne la société. Voilà. Donc c'est un seul corps en quelque sorte. Maintenant, chacun doit savoir où mettre ses pieds pour ne pas empiétrer. Voilà, effectivement. Donc l'islam, par exemple, si on parle de l'islam, l'islam met l'accent. C'est vrai, tu veux faire la politique, mais il faut que ça soit avec la justice. Effectivement. Voilà. Quand il n'y a pas la justice, quand il y a discrimination quelque part, ça ne marchera pas. Mm-hmm. Donc voilà pourquoi la loi de Dieu s'est basée sur la justice. Alors, la loi aussi du pays, ou bien les politiciens aussi, doivent travailler toujours avec la justice. Avec la justice, effectivement. Voilà. Quand le Dieu parle de la justice, qui va appliquer la justice? Ce sont les êtres humains. Tout à fait. Alors, si nous appliquons la même justice, le mot la justice ne veut pas s'appliquer lui-même. Mm-hmm. Ce sont les êtres humains qui doivent appliquer cette règle-là, cet enseignement que Dieu a enseigné. Voilà pourquoi Dieu met des emplois, voilà pourquoi il envoie les prophètes pour venir enseigner, les prophètes des hommes. Mm-hmm. Ils viennent appliquer la justice à l'humanité. Alors donc, celui qui veut gérer son pays, donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se référer toujours à la même justice-là pour bien gérer. Même malgré ça, nous aussi on a formé, chaque pays a formé des juges. Mm-hmm. Pour que ceux-là aussi puissent travailler avec cette justice-là. Dieu a sa justice,
Nous aussi, chaque pays a créé, formé les juges pour travailler. Donc, vous voyez, les deux marchent ensemble. Effectivement. Voilà. Maintenant, puisque la loi humaine, elle est imparfaite. OK. Voilà. Souvent, comme la Dieu même dit, la chair est faible. On localise ça en doyifa. Par rapport à la faiblesse de l'homme, souvent, on dévie un peu la justice qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de le faire. Sinon, chaque pays a la justice, chaque religion a la justice. Donc, les yeux vont toujours ensemble. D'accord. Mais ce qu'on remarque, M. Ndé, c'est que sur le terrain, il y a des gens. D'abord, la croyance, c'est les gens adhèrent à une croyance. Ils forment en quelque sorte une communauté qui partage les mêmes convictions. En politique aussi, comme M. Chéri vient de le dire, c'est des gens qui se sont associés. Donc, ils sont en association. Ils ont une idéologie qu'ils ont épousée. Mais on remarque que partout, dans tous les pays, lorsque les idéologies se confrontent, ça ne va pas sans eux. Et si ces mêmes personnes-là se retrouvent au sein d'une même communauté, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça n'a pas donné des tensions parfois? Ça ne va pas donner des tensions. Si ces personnes-là ont une foi, si chacun a une foi, toi dans ta religion parle de la justice. Moi aussi dans ma religion, on me parle de la justice. Pourquoi? Toi, chez toi, on parle de la justice, chez moi, on parle de la justice. Maintenant, quelle qu'en soit la tension, on doit réfléchir. Voilà pourquoi le Coran te dit, Afalata Zakaroun, Dieu vous a donné tel, j'ai fait tel, j'ai fait tel, afin que vous méritiez, afin que vous réfléchissiez. Alors, si nous ne réfléchissons pas, c'est vrai, là, la tension, certes, mais réfléchissons un peu, nous ne sommes pas des animaux. Tu es mon frère, je suis ton frère. Donc, même soit, il y a un petit problème. Ah, référons-nous derrière. Ah, attention, c'est mon frère. Si je veux lui faire du mal, c'est pour lui faire du mal à moi. Donc, il faut que chacun mette dans sa tête. Voilà. La justice, les deux justices là vont ensemble. Ça ne va pas se contredire. D'accord. Mais lorsqu'on ne réfléchit pas, c'est qu'il y a le désordre. Chacun maintenant, il pense par rapport à son intérêt personnel. Voilà. Son intérêt personnel. Mm-hmm. C'est ce qui est grave. Si c'est l'intérêt de la population, là, il n'y a pas de problème. Un additif à ce que le missionnaire a dit, il faut dire que la religion a pour principe la tolérance, l'amour, la justice. D'accord. La politique aussi a pour principe bien orienter la population, la justice, faire régner un état de droit, appliquer la justice, aider la population. Donc, du coup, on voit qu'ils ont à peu près, elles ont à peu près les mêmes objectifs. Donc, je prends un cas au niveau des pays d'Afrique. On a comme religion dominante l'islam et le christianisme. Mais quand on se retrouve au sein d'une même mosquée, que tu sois chrétien ou moi je suis musulman, on se retrouve au sein d'une même mosquée, si effectivement on applique l'amour, si effectivement on applique la justice, on n'a pas à parler de politique au sein de la mosquée. On vient à la mosquée pour parler soit de Dieu, du christianisme, ou bon, si c'est une mosquée, de l'islam. Okay. Voilà. L'imam, dans les sermons, dans ses conseils, il va nous exhorter à pratiquer l'amour, à pratiquer l'amour, la justice. Ce que l'imam va dire, on récupère et on va sur le terrain politique pour vous appliquer. Donc, vous voyez qu'il ne devait même pas avoir de problème dans nos nations. Effectivement. Dites religieux, c'est-à-dire, bon, pas religieux, mais dans nos nations laïques, où l'islam et le christianisme se cohabitent. Okay. Mais, parfois, ça devient un peu bizarre lorsque le message religieux même est pris, ou soit le religieux lui-même, il se transforme en un combattant politique. C'est là qu'il y a le problème. Lorsque le religieux lui-même, l'imam ou les pasteurs, et même ils participent de manière active à des combats politiques, à des meetings. Parce que eux, ils doivent en fait montrer une certaine neutralité. Effectivement. Même s'ils ont un penchant. Mais ils doivent savoir taire leur penchant dans leur cœur et puis montrer une certaine neutralité. Être correct, être juste. Voilà. C'est en cela que. Il ne faut pas avoir un parti pris. Il faut avoir un parti pris, ça mélange. Effectivement. L'objectif d'un imam, d'un pasteur, de tel parti, c'est quoi? C'est pour sauver la nation. Effectivement. Voyez, non? Donc, si nous sortons dans ce cadre-là, il y a un problème. Effectivement. Voilà. Il faut qu'on reste dans ce contexte-là. Même quand tu le vois, aucun politicien va venir dire non,
Il dit, je vais venir faire telle chose pour la population. Tout le monde parle de la population, l'intérêt de la population. Imam parle aussi de l'intérêt des musulmans. Le pasteur parle aussi de l'intérêt des chrétiens. Donc, ces mêmes populations-là. Et Dieu aussi, il a fait ces lois-là pour sauver aussi la population. Okay. Donc, dans ce contexte-là, si nous venons de Dieu, ça veut dire si nous avons la foi, vraiment, chacun devait agir avec cette justice-là pour que la population puisse sortir vraiment la tête haute. Okay. Voilà. Donc, je voulais ajouter ce que M. Alain a dit, pour dire que les religieux, parfois, ils peuvent organiser même des séminaires, des colloques, pour proposer, tout à fait. Pour faire des propositions aux acteurs étatiques, c'est-à-dire les politiciens. Voilà ce que nous, on a pensé. Voilà. Nous, on n'a pas le droit de nous immixer dans la politique, mais nous sommes aussi des humains. La politique, c'est une affaire d'être humain. On a aussi le droit de dire quelque chose. Donc, voilà ce que nous proposons. Voilà. C'est des gens qui ont fait de longues études, quand même. Ils peuvent voir au niveau des sociétés qu'est-ce qui ne va pas. Voilà. Au niveau social, au niveau de l'économie, au niveau de la diplomatie, à tous les niveaux, ils peuvent faire des propositions. Et c'est aux politiciens maintenant de voir ce qu'ils ont proposé, est-ce que je peux appliquer. Donc, ça engage un débat, ça engage une communication entre ces deux identités-là, c'est-à-dire le politique et puis le religieux. Dans cet état-là, je vois que la médiation, l'harmonie va régner. Parce que l'objectif de ces deux entités, c'est le bien-être. Effectivement. C'est le bien-être de la population. Donc, je pense que les religieux ils peuvent participer à la vie politique en proposant. Ils proposent et ils se retirent. C'est aux politiques maintenant de récupérer ce qu'ils ont proposé pour appliquer. Maintenant, au cas où ils n'ont pas appliqué, il n'y a pas de problème. Il ne faudrait pas que ces religieux-là récupèrent ça et qu'ils viennent sur le terrain en tant que des militants. Tout à fait. Sans cela qu'il y a des heurts dans les mosquées. Et les imams ou les pasteurs doivent éviter des propos d'appartenance dans leurs sermons parce que ça frustre. Et à c'est... Vous, à vous attendre, on sous-tend, à vous attendre, vous dites sous-tendre que la politique, en fait, la diversité ne doit pas être une source de haine, de conflit. Mais un accompagnement dans la société, dans son amélioration. Mais tous deux, vous êtes quand même responsable de jeunesse, de jeunes. Vous aussi, vous êtes prêcheur. Est-ce que dans la pratique, vous ne vivez pas souvent des gens qui sont opposés entre eux-mêmes, ou même dans vos différents milieux religieux? Est-ce que des gens qui sont opposés idéologiquement, ils n'arrivent pas à s'affronter devant vous et puis vous intervenez? Ça n'arrive pas à ce cas? Oui. Ça, on appelle ça, comme vous avez dit tantôt, quand les deux s'affrontent. Toi, tu lui poses la question, ton objectif c'est quoi? Je veux bien faire pour ma population. Moi aussi, mon objectif, je veux bien faire. Mais c'est vrai, on n'a pas les mêmes compréhensions. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit, référons-nous, souvent comme on dit dans le langage, pour construire le futur, il faut se référer au passé. Tout à fait. Oui. Donc, quand nous regardons la Bible, dans la justice, dans la vie de Jésus-Christ, il a appliqué la justice, même avant lui. Quand nous regardons, qu'est-ce que le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il était un homme politique, il était un homme politique, il était un prophète, il était un homme de Dieu. Mais il a travaillé avec tout ce monde-là, avec les juifs, il gérait les juifs, les chrétiens, les païens, et puis les musulmans. Et mais il y avait une harmonie entre eux, il n'y a pas de problème. Quand souvent il y a un problème, il dit, toi, ton chrétien, envoie ta Bible. Qu'est-ce que ta Bible dit par rapport à tel sujet? Le juif, il y a un problème. Qu'est-ce que ta Bible, la Torah dit par rapport à ce sujet? Mais missionnaire, est-ce que, en fait, vous êtes un missionnaire, c'est-à-dire que vous partez prêcher à des groupes de personnes, quand ils adhèrent à la communauté, c'est-à-dire ils deviennent, c'est-à-dire en termes de donnant, ils prennent de ce qu'est, par exemple, je suis conscrit à la communauté islamique Ahmadiyya, ils prennent ce qu'est de la communauté Ahmadiyya. Oui. Mais est-ce que, puisque quand même, sur l'échiquier politique, ils appartiennent à un parti politique, est-ce que ça ne se fait pas ressentir
au niveau de la religion. Maintenant, quand ça va faire sentir, c'est toi qui dois, le missionnaire qui est là, ou bien l'imam qui est là, c'est l'imam qui doit faire comprendre. Oui, ce que tu es en train de faire, d'accord. On va voir ce qui est dans ta tête, ce que tu as envie de faire politiquement. Est-ce que ça marche religieusement? Moi, j'ai fait sortir les exemples que je viens de donner. Voilà, les versets coraniques, même les versets bibliques. Là, l'homme va regarder. D'accord. Quand il regarde ça, il dit, ah, donc ça va ensemble. Faut pas, il faut que tout tourne autour de la justice. D'accord. Quand ça tourne autour de la justice, chacun aura sa part. D'accord. Personne ne sera frustré. Et c'est le même enseignement que le Saint Prophète sallam a donné. Voilà. Les chrétiens ont eu leur part de justice. Les juifs ont eu leur part de justice. Les musulmans ont eu leur part de justice. D'accord. Les païens ont. Chacun a eu. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de problème dans ce contexte-là. D'accord. Voilà. Monsieur Géry, vous, en tant que responsable de jeunes, est-ce que vous vivez souvent ces genres de choses? Oui, effectivement. On ne peut pas dire qu'on ne vit pas ces genres de situations. Avant de répondre à la question, parfois il y a des musulmans qui disent que les musulmans ne doivent pas faire la politique, en religion, ils ne doivent pas faire la politique parce qu'il n'y a même pas le mot démocratie dans le Saint-Coran. Mais on n'a pas besoin d'avoir le mot démocratie dans le Saint-Coran pour dire qu'on ne va pas faire la politique. Il faut dire qu'au sein des communautés, tous ceux que nous rencontrons, chacun vient avec sa conviction religieuse. Chacun vient avec sa conviction religieuse et sa conviction politique aussi. Mais au sein de la mosquée, quand on se rencontre au sein d'une mosquée, le message qui est prêché, c'est un message d'amour. C'est ce que le missionnaire a dit. Il suffit que le message soit rempli d'amour, soit amplifié d'amour, de justice. Ça va au-delà déjà même de l'appartenance politique. Vous vous retrouvez tous dans ce que le responsable dit. C'est lorsque le message a une... le message essaie d'avoir une appartenance quelque part, c'est ce qui crée des frustrations. Mais alhamdoulilah, Dieu merci, au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya, nous, on n'a pas trop ce problème-là parce que quand on vient à la mission, on a nos sujets phares qui sont là. Voilà, on est préoccupé par les échimas, les tchalsas, les rencontres. Donc, et de surcroît, nous sommes unis autour d'un calife. Nous sommes unis autour d'un calife qui nous donne toujours des conseils, qui nous prévient sur les dangers. Le calife aussi. Souvent, il a fait des sermons où il a donné des conseils par rapport à la crise syrienne. Oui. Il a donné des conseils. Oui, il a interpellé les acteurs de cette crise-là. Il allait même aller faire un discours au Parlement européen où il les a interpellés sur les dangers qui guettent l'humanité. Donc, c'est son rôle d'interpeller. Son rôle d'interpeller. Mais il ne va pas sur le terrain en tant que partisan. Tout à fait. En tant que partisan, mais il interpelle toujours. Voilà, si vous faites ça, voilà ce que ça va donner. Si vous faites ceci, voilà ce que ça va donner. Donc, il interpelle déjà. Je pense que c'est ce rôle-là que tous les politiciens, pardon, tous les religieux doivent avoir. Le rôle d'interpellation, interpeller les membres sur leur rôle dans les différents... appartenance politique. Et d'ailleurs, c'est ce que tu avais dit de suite, le fait même d'avoir au sein d'une mosquée plusieurs idéologies politiques, ça peut être une richesse même pour la mosquée. Ah, en quel sens ça peut être une richesse? Ça peut être une richesse. Bien... Si toi, tu es parti politique A, le missionnaire dans parti politique B, le jour où vous serez au pouvoir, mais comment dirais-je, vous allez lutter pour que la justice règne. Le message que ton guide a prêché, effectivement, a donné, tu feras un effort pour faire vivre ce message-là sur le terrain. Effectivement. Or, si tu fais vivre sur le terrain, c'est forcément, ça aura des retombées positives parce que voilà, ça vient du calife. Voilà. Ça, donc, si tu appliques ce que ton guide a dit, non seulement la communauté va bénéficier, mais c'est toute la nation qui va bénéficier. Ce ne sera pas seulement pour vous, mais ce sera pour tout le monde. Même si vous n'êtes pas là et que... c'est le missionnaire Abdelhamad, son parti politique qui est au pouvoir, il sera obligé d'appliquer ce que l'imam dit à la mosquée, ce que le missionnaire dit à la mosquée. Effectivement. Voilà, il faut prendre soin de la population. Quand on vous donne de l'argent, quand on vous donne des budgets, des projets, il faut les mettre en œuvre dans les endroits où ça a été indiqué. Il ne faut pas détenir de l'argent. Donc, il est obligé, en tant qu'un homme politique, il est obligé d'appliquer cela. Et cela va profiter à toute la nation. Tout à fait. Donc, c'est en cela qu'au sein d'une mosquée, s'il y a plusieurs idoles, s'il y a plusieurs partis politiques qui se retrouvent dans une mosquée, ils vont profiter des conseils que l'imam donne. Effectivement. Et en retour, ils vont aller appliquer. Parce que s'ils deviennent responsables de société ou responsables politiques, s'ils n'appliquent pas,
non seulement leur nom va se gâter, tout à fait. Non seulement c'est une humiliation pour eux, s'ils se détournent de l'argent, c'est une humiliation pour eux, mais leur communauté aussi, c'est une humiliation pour la communauté. Tout à fait. Donc, ils ont l'obligation non seulement de faire respecter leur communauté à travers leur action, effectivement, mais aussi de se faire respecter en société. Donc, je vois que la diversité religieuse au sein d'une communauté politique ou la diversité politique au sein d'une mosquée ou une église, c'est une richesse. Parce que j'ai envie de demander, monsieur, même, est-ce que la diversité religieuse, ça ne peut pas créer un esprit d'humiliation, de concurrence positive? Merci. Entre Merci. Les deux. Non. Par exemple, comme Samuel de Sérif vient de dire, les hommes religieux, ce sont les docteurs. De la même manière que les prophètes sont les docteurs. Oui. Pourquoi? Quand moi j'ai fait ce que je pouvais faire en tant qu'être humain, je ne suis pas parfait. Et puis, quand mon temps va passer, toi tu me regardes. Et puis, pour que les gens puissent te croire, les gérés où moi je suis tombé, toi tu vas éviter ça pour faire plus. La population maintenant va gagner. Si toi aussi, moi aussi je te regarde, voilà, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Où tu as été tombé, moi je vais éviter. Voilà, ils font mieux. À chaque fois, celui qui vient, il fait mieux. Celui qui vient, il fait mieux. Qui en bénéficie? C'est la population. Effectivement. Voilà. Donc, quand les imams, les pasteurs, quand ils voient maintenant, bon, ils sont en train de dérober et ils deviennent maintenant comme des docteurs. Ah, pour notre intérêt commun, voici ce que vous devez faire. Voici ce que vous devez faire. Et vous donnent des conseils, les enseignements religieux, les enseignements bibliques. Pour l'intérêt commun, chaque église, chaque mosquée, on parle de chrétiens. Tout le monde dit que Dieu est amour. Monsieur Chéri, dans sa première intervention, a dit que c'est un discours que les musulmans ne doivent pas faire de la politique. Est-ce que ce n'est pas parce qu'en fait, ils sont déçus des religieux, ils sont déçus des leaders religieux, parce qu'ils montrent ils affichent leur affinité? Donc la religion doit appliquer les règles, ce qu'Allah lui a enseigné. Quand lui va appliquer la justice, l'amour du prochain. Alors, même soir, il va dire, ah, ton adversaire, certes, mais ce n'est pas ton ennemi. Lui, il veut l'avancement du pays, il veut gérer le pays autrement. Toi aussi, tu veux gérer autrement. Voilà, ce sont des idées que vous proposez à la nation. Et maintenant, ils vont voir, idée de M. Diaby et idée de Shérif, qu'est-ce qui peut avantager la population? C'est sur ça maintenant, ils vont faire leur choix. Ah, vous êtes en train de dire, avant d'appartenir à une idéologie politique, il faut d'abord savoir l'idéologie réelle de cette appartenance. Effectivement, avant d'appartenir à une idéologie, il faut analyser quel est leur principe, sur quoi ils se basent, quel est leur projet social. C'est à partir de là qu'on peut appartenir à une idéologie. Mais monsieur, est-ce qu'il y a un critère pour pouvoir désigner son chef? Oui. Oui. Voilà pourquoi je vous donne un verset coranique. Quand les mécréants, ils étaient étonnés. Ils disent, mais c'est quel livre ça? Il ne peut pas se taire sur une petite chose, une grande chose, tant qu'il n'est pas parlé de ça. Merveilleux ce Coran. Hein? C'est le merveille du Coran. Ok, missionnaire, je vais vous poser deux questions. Je vais vous poser deux questions en même temps. Oui. Dans la religion, est-ce que ce n'est pas parce que les religieux sont corrompus que les gens sont dessus pour dire que les musulmans ne doivent pas faire la politique? Vous allez répondre à ça. Et puis en même temps, vous allez répondre quels sont les critères pour qu'on élise un chef, pour qu'on suive un chef politiquement. Allez-y. Alhamdulillah, c'est vrai. Les religieux sont corrompus. Les gouvernants aussi sont corrompus. C'est ce que le Coran dit. Il faut toi le wal matulou. Faible en effet les deux. Le religieux et le politicien. Qui paye de qui? Hein? Mais la faute est aux religieux. Ce sont les religieux qui doivent vous faire raisonner les hommes politiques. Qu'il plaît ou non, quand ça chauffe là, il court pour aller où? C'est religieux. Tout à fait. Si toi maintenant pas juste, c'est vrai. Quand le politicien sait que toi tu aimes l'argent, il vient acheter ta conscience. Tout à fait. Il faut lui montrer que moi, c'est Dieu que moi je cherche. Le prophète nous a dit, in adiria il a là. Ma récompense là, c'est Dieu. Je n'ai pas besoin de ta récompense de Djabini ni de Shérif. Moi, ma récompense vient de Dieu. C'est que le prophète a tapé la table.
Tout ce que je suis en train de faire là, croyez-vous que ma récompense se trouve auprès de vous? Non. J'ai un devoir à faire. J'ai une mission accomplie. Et ma récompense se trouve auprès de Dieu. Il faut que les religieux arrivent, disent ça aux politiciens. Mm-hmm. Comme nous sommes tous de pratiquer la politique pour le développement de notre nation. Mm-hmm. Donc ma part de politique que moi je dois jouer en tant que religieux, c'est de dire la vérité, le terrain est glissant. Si le religieux ont eu l'audace, la bravoure, la détermination de dire aux politiciens, aucun politicien viendra corrompre. Tout à fait. Tout voilà. Ça, mais clair. Ce sont eux qui donnent une opportunité aux politiciens de faire n'importe quoi. Il reste dans ta Bible, il reste dans ton Coran. Et tu dois tu appliques la justice stricte. Même mm-hmm. soit cela va contre toi-même, tes parents, ton honneur, ton argent, il faut appliquer la justice. C'est que tous les livres révélés, c'est ce que j'ai enseigné. Tous les prophètes, c'est ce que j'ai enseigné. D'accord. Mais si toi-même, tu dérobes. Là, bien sûr, il y a chrétien. D'accord. L'islam a tout enseigné. Voilà pourquoi je disais tantôt, quand le Coran est venu, mm-hmm. Ils étaient tellement contents. Ils disent malheur à nous. Quelle sorte de livre est ceci? Wow. Hein? Il nommait aucune action petite ou grande. S'il n'est enregistré. Donc tout y est. Oui. Tout ce qui peut sauver l'humanité, ça est dans le Coran. Wow. Que ce soit petite somme, grande chose, ça est dans le Coran. Donc ceux qui disent qu'un musulman n'était pas fait la politique, ça veut dire qu'il ne connaissait même pas les religions. Tout à fait. Le sombre face sur la seule âme, il a fait la politique. Tout à fait. Voilà. Sa politique, c'était la justice, le bien-être de l'humanité. Sinon, c'est comment diriger ces millions de personnes, voilà. Ces milliers de personnes, voilà. Impossible. Donc voici comment le chrétien, alors ce qu'on a dit ici dans la sourate 4. Verset 59 que je cite. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'izukum bi. Inna Allah kana sami'an basira. Il dit en vérité, Allah vous commande de céder les charges à qui de droit. D'accord. Et quand vous jugez entre les hommes, jugez avec justice. Et assurément, c'est à quoi Allah subhanahu wa ta'ala vous exhorte est excellent. Allah. En vérité, Allah entend tout et voit tout. Allah qui entend tout et voit tout, nous n'entendons pas tout, nous ne voyons pas tout. Mm-hmm. Mais Dieu est partout, lui il entend tout, il voit tout. Donc ce que Dieu vous dit là, céder la charge, la responsabilité, le pouvoir à qui des droits, que ce soit pouvoir politique, pouvoir religieux, donner à qui des droits. Il ne faut pas donner, il ne faut pas choisir quelqu'un, c'est mon beau-frère, c'est mon petit frère, imam là, c'est mon oncle, que je veux qu'il soit. Non. Donc ceux qui disent qu'on ne peut pas faire, un musulman ne peut pas faire la politique, c'est archi faux. Un musulman, d'abord, la politique même dit, par exemple, choisissez, votez. C'est un devoir civique. Mm-hmm. C'est un devoir. La religion qui dit. Oui. La politique, au niveau de choisir un chef ou bien voter. Okay. On dit que c'est un devoir civique. Civique, ouais, ouais. Mais la religion dit que c'est un droit. Okay. C'est un droit de choisir l'homme le plus méritant. Mm-hmm. Voilà. Qui peut faire l'affaire de la population. Mais quand vous choisissez un homme qui ne mérite rien, Dieu vous posera la question. Hein. Dans votre choix, vous qui choisissez vos chefs, Dieu vous regarde. D'accord. Si vous avez fait un mauvais choix, là, Dieu vous attend. Voilà pourquoi on ne choisit pas qui vit. Je ne choisis pas mon fils ni mon papa. Okay. Et si mon papa mérite, et si mon fils mérite, c'est dans ce contexte-là, Dieu t'attend. Mais lorsque vous choisissez n'importe qui, à la place de n'importe quoi, vous allez attendre la suite. Hein. Alors, monsieur le shérif, la religion ne demande pas de choisir quelqu'un en fonction de ses origines, en fonction de sa filiation. En fonction de sa filiation, mais en fonction de sa capacité à se décharger des charges. C'est ça? Bien sûr. Ok. Qu'en dites-vous? Oui, avant de venir à cette question, je voudrais dire qu'au niveau de. Le missionnaire a évoqué un point qui est très intéressant, parlant de la corruption. Prenons le cas du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que les Mekois n'ont pas proposé au saint prophète pour abandonner sa mission? Tout à fait. Mais c'est parce qu'il est resté intègre. Tout à fait. Mais c'est ça qui a fait la force de sa mission. Effectivement. Mais si c'était laissé corrompre par la richesse qu'on lui a proposée, son message n'allait pas arriver à nous aujourd'hui. Jamais. Mais c'est parce qu'il est resté intègre, il croyait ce à quoi il faisait, tout à fait, que son message aujourd'hui est arrivé ici. Donc, je reviens, je suis d'accord avec le missionnaire. Mm-hmm. Le religieux ne doit pas se laisser, doit être intègre. Il doit, c'est vrai, nous savons aujourd'hui que la vie est difficile. C'est une réalité, ce n'est pas à nier. Les choses sont compliquées. Et quand tu es chef religieux aujourd'hui, tu es tenté, c'est une réalité, tu es tenté. Vu les belles voitures que les imams ont, les belles maisons, tout ce qui est à leur disposition aujourd'hui, ce n'est pas facile.
Et si tu... les politiciens viennent pour te proposer, voilà, pour t'avoir. Si tu te laisses, séduire par ces choses mondaines, tu vas perdre ton intégrité. Mm-hmm. Tu vas perdre ta qualité. C'est vrai, tu vas avoir tout ce que tu veux, mais tu n'auras pas d'impact à ton, au moment où tu es vivant. Même à ta mort, quand tu ne seras plus dans ce monde, on parlera pas, on dira que bon, en fait, ton nom ne pourra pas impacter ta postérieure en quelque sorte. Non, ça vous sera que l'homme, il faut être intègre. Quand tu dis c'est ça, quand tu dis c'est haut, il faudrait que ce soit haut. D'accord, missionnaire, en deux mots, votre... En deux mots, mot défait. Le shérif parlait que la solution, que vous m'avez tenté. Le prophète était tenté par la mise de l'Arabie, par le pouvoir et par l'argent. Il dit, je n'ai pas besoin. Voici les deux, trois choses que le monde est en train de s'entretuer. Femme, pouvoir et puis l'argent. Et c'est le même trois que j'ai proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ton combat là, c'est quoi? Si c'est l'argent, on va te donner. Si c'est femme, on va te donner. Si c'est le pouvoir, on va te donner. Il dit, je n'ai pas besoin de l'argent, ni pouvoir, ni femme. Si nous disons que nous sommes des hommes religieux, l'argent, femme, pouvoir, là, le sont dans la main à ceux qui en ont. Pratiquons la religion comme Dieu nous a dit. L'argent, femme, là, ça va venir lui-même. Ok, merci bien à vous d'être venu sur ce plateau. Je crois que l'émission est déjà finie. Chers téléspectateurs, il est préférable que le religieux ne se laisse pas influencer par de l'argent, mais qu'il fasse tout pour être intègre envers son test, afin qu'il soit un leader devant les politiciens. Membre de la communauté islamique Ahmadiyya, vous pouvez faire de la politique, mais en respect des tests qui régissent vos livres saints et des directives du calife. Je suis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الخير البرايا إكرامه كدنان شكر الخير البرايا إكرامه كدنان أنك آلة كبار سبك كبار كدان دبالي كسالي جايا على تيرك يا سانا هيرا سوروكي يا ما شكر الخير